Alors, la Commission a constaté que le Grenelle de l'environnement avait suscité un grand élan parmi les participants et au-delà pour les questions environnementales. Et cette question de l'élan pour les questions environnementales est particulièrement importante. Elle s'est traduite en particulier dans une gouvernance inédite, une gouvernance à cinq partenaires, État, collectivités locales, associations environnementales, mais aussi organisations syndicales et organisations patronales. Donc cet élan a conduit à examiner différemment les questions environnementales. Malheureusement, avec la crise économique, on a constaté un essoufflement du processus et puis aussi, nonobstant la crise, je dirais, une difficulté de mise en œuvre de ce processus. Et peu à peu, la Commission constate qu'il y a eu des reculs et une certaine déception des acteurs. Des reculs dans certains domaines, comme les transports collectifs ou l'information environnementale, et une déception des acteurs qui ne voyaient pas se concrétiser suffisamment ces engagements environnementaux. Alors, il est important de resituer effectivement ces enjeux environnementaux dans des dynamiques économiques et des dynamiques sociales de sortie de crise. On est dans un contexte différent aujourd'hui. La crise est extrêmement présente et elle implique des réponses nouvelles. Et il nous semble que ces enjeux environnementaux peuvent participer des réponses nouvelles dès lors qu'ils sont intégrés dans des objectifs de production renouvelée, dans des objectifs de consommation. Alors, pour la production, évidemment, nous avons regardé ce que pouvait être l'économie verte, mais la Commission pense que ce sont l'ensemble des secteurs économiques, des secteurs industriels en particulier, qui doivent évoluer. Évoluer dans la prise en compte de la rareté des ressources naturelles, dans la prise en compte d'une moindre facture énergétique. Évoluer également pour mettre en œuvre des processus nouveaux qui intègrent de la conception du produit jusqu'à sa disparition, des fonctionnalités nouvelles. Alors, ces processus industriels, qui sont des processus lourds de transformation, doivent bien sûr être discutés dans le cadre de négociations dans les entreprises avec les partenaires sociaux. Ces processus vont également concerner l'évolution de la sphère agricole. Il nous semble très important que la prise en compte des enjeux environnementaux continue à s'effectuer dans la sphère agricole, au-delà de ce qui avait été envisagé au moment du Grenelle, et qu'il y ait une évolution vers des modes de production plus durables. Au-delà donc de l'agriculture biologique, il nous semble que des modes de production plus durables qui répondent à l'urgence alimentaire peuvent être mis en place à la fois dans notre pays, mais aussi dans le monde. Et puis, ces modes de production vont conduire à ce que les modes de consommation soient différents. La Commission propose un certain nombre de pistes pour faire évoluer ces modes de consommation et pour mieux informer le consommateur. Et elle propose en particulier qu'il y ait une traçabilité environnementale et sociale des produits et services. C'est une idée qui permettrait de relier ces différentes préoccupations. Les moyens d'abord intellectuels pour engager cette nouvelle dynamique, c'est former. Former dès le plus jeune âge aux questions de développement durable, dès l'école, en interdisciplinaire, dans tous les cursus. Former ensuite au niveau de la formation continue, puisque l'ensemble des secteurs professionnels seront concernés, et puis l'ensemble des acteurs aussi. Donc les questions de sensibilisation sont particulièrement importantes. Ensuite, une piste pour évoluer sur ces questions de prise en compte des enjeux environnementaux, c'est de mieux prendre en compte dans le milieu professionnel ces enjeux nouveaux, parce que le salarié, c'est la première sentinelle en fait environnementale. Et il importe à la fois de donner des droits environnementaux nouveaux, par exemple de l'information au niveau des comités d'entreprise, mais aussi de permettre aux comités d'hygiène et de sécurité de se saisir de ces risques environnementaux nouveaux, des questions de pollution, de ces questions-là. Donc, il y a des politiques de prévention qui peuvent être développées, à la fois au bénéfice des salariés, mais plus largement des populations, qui sont des conditions pour créer cette prise en compte nouvelle des enjeux environnementaux. Bien évidemment, dans les moyens pour mieux prendre en compte ces problématiques environnementales, il y a les questions fiscales et financières.
Donc la Commission fait un certain nombre de propositions pour, d'une part, mettre à plat l'ensemble des dispositifs publics qui vont impacter l'environnement, à la fois les dispositions fiscales, mais aussi les aides publiques. Il y a un certain nombre de dispositions fiscales qui sont contre-productives pour l'environnement. Donc nous proposons de mettre peu à peu ces dispositifs à plat, d'envisager leur suppression, leur modification, leur évolution, en tout cas dans le temps. Il faudra discuter selon les secteurs professionnels concernés. Mais il nous semble, par exemple, qu'il faut tendre vers le droit commun en matière de fiscalité de l'énergie. C'est une piste importante pour réaffecter, réallouer des ressources. Il nous semble également qu'il faut regarder les conditions de financement de ces politiques. Donc nous faisons un certain nombre de propositions pour, y compris au niveau européen, demain, avoir une partie des marchés de quotas qui soient réaffectés aux questions d'adaptation au changement climatique. Voilà. Donc il y a un certain nombre de propositions fiscales et financières qui concernent les dispositifs actuels qui seraient réaffectés. Ensuite, nous proposons de regarder ce qu'est la fiscalité environnementale et éventuellement de reconsidérer certains dispositifs comme la fiscalité carbone.